L'hôpital là, il y a qu'on t'a rendu. Il y a qu'on t'a rendu. Parce qu'au pays, ça, c'est ce dégât, ça juge de personne. Nous comptons 16 ans, mais nous sommes 16 ans. Nous avons fait pays. Il fait 4 juillet 2003. 4 juillet 2003. 16 ans. Est-ce que c'est pas moi? Avec le chef de la ville. On garantit même pas que c'est pas moi. Il y a un chef de la ville. Il y a un chef de la ville. Comment il est là? Et nous garantissons que nous ne pouvons pas battre pour nous détruire le système. Nous sommes capables de vous mener. Oui, nous sommes capables de vous mener. Mais et puis nous avons mis en politique pour nous enchaîner. Les gars pas foutre voler. C'est voler les jeunes qui volent. Jose Ayon, Jose Ayon m'a tué nous là. Jose Ayon m'a tué nous. C'est un militant qui mourit. Faut le bail moi. Parce que trop se coule. Je n'ai pas revendiqué de nous. Les gens pour ça à pouiller nous. C'est ça qui nous fait plus de violence. Parce que violence, c'est violence, pas à manger, pas à l'école. Chômage dans le à nous. Misère, insécurité dans le à nous. C'est pour ça que les gens pouillent nous. C'est pour ça que les gens pouillent nous mettre dossier sous nous. Jovenel Moïse, comme ça. Jovenel, nous-mêmes, nous sommes dans l'hôpital là. Nous disons, mais c'est mort, c'est mort. On fait mille là. Nous passons pas à mes chefs là. Nous nous merci. Oh!
ça, non seulement nos cadavres par rapport à deux mondes qui étaient enchaînés. Là, nous avons parlé de Pierre Maxon, qui a 16 ans, avec Octanol dans Octanol Beauville. Nous prenons ça, nous avons pris une balle dans Delma 4 et 3, la police n'est pas une balle. Au lieu de nous avoir un nouveau hôpital, nous avons vu la là, nous avons tout enchaîné. Malgré nous avons fait opération, mais nous avons mouru, qui c'est Pierre Maxon. Et bien nous sommes là pour être capable de procéder avec constat légal. Quand on a parlé là, le juge a été en difficulté, Mathis a pu arriver. Finalement, le juge est arrivé. Et bien, nous avons pu procéder au constat légal. Nous faisons constat pour nous aider sur le café pour nous mettre dans l'ambulance. Non seulement Pierre Maxon a pu faire constat légal, mais gagner tout Octanol Beauvilla. Nous-mêmes là, nous prenons toute disposition de pousser avec parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Nous voulons parler de mettre fort. Eh bien, la bataille pour capable faire, pour capable transférer Octanol Beauvilla dans l'hôpital de syndicat, chauffeur moto, nous on à l'hôpital général, soit fait l'hôpital là. Et normalement, je salue tous les amis téléspectateurs qui ont écouté et gardé la voix de l'Amérique. Moi, je suis Civil Josnel, même je dis l'homme, c'est président KCM, coalition chauffeur moto, qui donc syndicat moto. Normalement, ça qui explique la présence moi, depuis matin dans l'hôpital là et depuis hier au soir, qui explique que là, c'est le fait que nous avons des mouns qui font partie du syndicat et Youn te prend 4 balles. Ou l'autre prend 3 balles, par exemple Octanol Beauvil, ou après il enchaîné dans la salle d'urgence là, il prend 3 balles. Mais ça qui prend 4 balles là, c'est Maxon Pierre, il était opéré, malgré qu'il était fin opéré, ou elle arrivé mourir à toute chaîne dans pied. Je pense que nous pas dans temps esclavage encore, dans temps moderne n'a vivre kounia. Je comprends ça mal, je pense que Jovenel allait trop loin comme un monde qui inculpé, non sorti dans un dossier plus que 69 fois d'après rapport. Pour aujourd'hui, un jeune garçon de 16 ans d'âge, plein d'avenir, qui a été le parent, lui mourit sous cabane de l'hôpital général avec chaîne dans pied. Ou a regardé deuxième, qui a conduit motocyclette là, qui c'est même KCM même, Octanol Beauvil, ou a regardé Octanol là jusqu'à présent. Toutes les démarches nous fait là, pour nous transférer dans l'autre hôpital, par exemple Benamez, que nous yon quoi avec, ou a regardé la police, à gouvernement pour raison politique, Joazi Kembel, qui donc, nous déclarer nous-mêmes Octanol Beauvil pas dormi la soya, puis pas balou piki pour emprisonner, puis pas assassiner. Qui donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous avons profité là pour utiliser la voix de l'Amérique qui est un gros médium, qui en pile nous a coûté à attendre à regarder. Nous allons recommencer à déclencher le mouvement, mais nous allons débloquer l'hôpital là. Nous allons obliger à bloquer l'hôpital ça encore, puis nous, Octano, pour nous prendre soin de l'autre côté. Mais qui sont reprochés à l'hôpital là? Moi reproche l'hôpital là parce que yo pas prend soin moun yo assez parce que gen, par exemple Fernando dit que l'était pour un balle qui traverse foal
la vie jusqu'à présent. Camarade là prend 4 balles pendant l'absentement manifestation vendredi passé. Ou ka comprendre malgré fin opéré le mouri qui donc il était dit ça tout. Il était en dit ça avec Luni Joseph qui dans radio Zenith, il dit pas gagner assez de soins. Qui donc j'ai nous perdu Maxon Pierre. Nous pas prêt pour nous perdre Octan Oboville. Jostel et Maxon Pierre mouri, nous sommes pas là avec docteur Jessie Colimo Adrien qui c'est directrice exécutif l'hôpital là. Il parle un petit peu de rapport là, il dit que yo bal tout soin que le démérité te que cal te nécessité, mais sauf que le te perdu en pile sang. Et t'as semblé que dans n'importe condition que l'elle t'a mouru. Non, et m'pense, m'pap démenti docteur, m'ap dit seulement, ça le dit à pas la vérité. Parce que de tout temps, si nous avons vu la DG, dit pour vendredi, dit après manifestation, docteur, comme mou responsable, pas j'aime pas être là. Et là, l'hôpital général, y'a gardé comme mou chien, y'a pas occupé, y'a pas baille moun yo soin. Nous même demandé pour ça, l'état paye moun sa dans l'hôpital général. M'pense, peut-être administrateur a gonti volonté, mais au contraire, li nan raison politique. Qui donc nous même, je dis, nous-mêmes, comme moun syndicalistes, nous-mêmes, comme moun organisation de base, moun quartier populaire, moun solino, moun qui d'accord faut avec Massio, Nabdio, yo fait combinaison là autour de Maxon Pierre, qui a 16 ans, Nabdio, Octan Oboville, qui a 19 ans, qui toujours enchaîné dans l'hôpital là, n'a demandé pour tout droit de l'homme, yo vin là, aidez-nous, vin retirer Octan Oboville là. Dans quelles conditions yo prend balle là, yo prend balle, de monsieur Sayon? C'est suite aux manifestations que t'es gagné. Il y a 200 autres Pétionville. Là, il vient dans zone 43, gros pick-up gris, double cabine, il passe le rouge et avec balle. Mais bon Dieu, qui fait ciel l'acte, pas quitter au mourir sous les champs. Mais ouais, docteur l'hôpital général, fait j'ai reconnu quitter au mourir. Qui donc, docteur l'hôpital général, assassiné Maxon Pierre sous l'autre forme parce que la police baille balle, il va mourir. Ils ont fini assassiné dans l'hôpital là. Qui donc n'a dit, puisque Maxon mourit, et qu'on paquette notre frère nous qui prend balle pendant l'absence de manifestation. Si vous n'habitez pas Tionville, vous habitez Delma, l'absence de manifestation pour la dire Abba Jovenel, quel besoin paysan, imaginez-nous. L'école pas qu'à fonctionner. Qui ça Jovenel Moïse et qu'il peut diriger, il peut diriger en rien. Qui donc, place Jovenel pas là. N'a demandé au seul bagaille. Démission Jovenel Moïse sans condition. Qui donc, nous même l'ensemble des chauffeurs moto yo, et nous t'es lancé opération chargé gaz, je dis à tuer moun pour nous. Vous avez remarqué comment on était fédé, l'entre lancé opération chargé gaz là. Je dis à, regarde comment on fait n'a crier là, de l'eau dans les yeux, de l'eau par dans les yeux, pendant Maxon Pierre mourit, pendant que t'es dans Beauville là. Et maintenant, dit, on a mis couvert de l'Amérique, qui donc je dis à, nous même chauffeurs moto yo, nous même militants de base, de quartier populaire, nous même membres secteur démocratique là, nous même qui d'accord pour nous gouverner, tout le monde qui dans la société, ou même qui journaliste tout. J'ai les gars mené pays, y'a aucun être comme ça là, ou pour un balle en tête, ou balle en quai. N'a dit non, place Jovenel pas là, vle pas vle, faut que Jovenel baille talon, blanche dans le pays. La voix de l'Amérique, Dieu merci. M'dit merci tout, et continuez à faire bon travail sur la voix de l'Amérique. C'est Civil Josnel, président syndicat chauffeur moto. Merci. Civil Josnel, nous sommes dans l'hôpital général, côté que grand pile et situation compliquée depuis matin là, avec l'homme. Et jeune 16 ans ça, et qu'on y a là, nous sommes rencontrés avec un président syndicat et chauffeur moto. Donc, il t'a expliqué nous situation. Et nous t'a parlé tout avec docteur Jessie Colimon Adrien qui t'a banou et on l'autre son de cloche. Jacqueline Belizard, la voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Dans la vie nationale là. Et il y a un secteur qui peut toucher, c'est l'activité ligne aérienne. Jean Gérard, c'est un employé Delta Airlines dans un vol qui t'a sorti Atlanta pour arriver à Port-au-Prince. Bon, normalement, nous voyageons de 3 à 4 fois par semaine de Atlanta à Port-au-Prince. Normalement, vol là, son vol qui est toujours rempli. À cause de l'insécurité avec manifestation qui est Haïti, majorité clients nous qui sortent Atlanta, c'est clients qui font connexion entre les États-Unis avec ampli missionnaire. Qui allait en Haïti, qui allait aider en pile l'église avec charité, avec orphelinage aussi. Bon, à cause de l'insécurité qui est dans le pays, bon, il y a des gens qui n'ont pas risqué de vie pour aller à Haïti. Normalement, avion, ça, c'est un avion de capacité 192, 193 personnes. Je dis à nous, il y a seulement 39 personnes. La majorité des clients n'ont pas voyagé. Ils ont regardé des nouvelles, ils ont des manifestations avec violence. Ah, so, yo pa blije, yo blije, yo pa blije. Donc, on prend chiffre là encore. On dit combien capacité y a avion, hein? Capacité, c'est 192. 192, et combien nous gagnons? 39. 39. Est-ce que chiffre ça, son chiffre qui répété depuis la crise là, ou bien? Non, chiffre ça, c'est depuis la crise là commencé. Mon yo, on s'y j'en perd pour la sécurité personnelle, yo. Crise là tout, avec diminution qui gagne avec moun kap entré
dans le pays d'Haïti que ces touristes, que ces missionnaires. Et bien ça a un impact. Tout son paquet de travailleurs qui te con et poté et performance by Moun Sayo. Que ce soit Moun qui a traduit, que ce soit Moun qui guide, employé qui fait produit artisanal. Jean Watson Delvar, c'est un traducteur. L'a expliqué. Moi, c'est Jacques Mouindoulan, mon traducteur. Je travaille avec des missionnaires. Pour le moment, il faut être capable de dire, les gens qui sont traducteurs, c'est tout ça qui part un travail stable. C'est de jour en jour vivre. Donc ça veut dire, j'aime comprendre, M. Delva, il y a pile de monde qui est lié avec les touristes et qui sont même affectés à cause de toute turbulence qui gagne dans le pays. Oui, c'est clair, parce que là, aller dans la plage, côté des Acadés, côté que moi-même, chaque temps groupe vient, moi toujours encourage à faire une journée ou bien une demi-journée avec soi dans la plage pour compter ou bien mener des petits gens dans la plage. Dans la plage, tout le monde sait pas qu'à venir après la plage vite. Ça veut dire que clairement, il a affecté la partie touriste. Là. Et il y a une deuxième partie encore qui a affecté, que moi, tout ça, peut-être, au cas où il a fait intervention avec Mounsao. C'est Moun qui est dans la localité qui croit des bouquets qui sont les noyés. Nous connaissons Mounsao, c'est Doum, il fait métal à partir de Doum pour être capable de décorer. Et Mounsao, un groupe à jouer une toile, l'acheter dans la main. Ça fait longtemps, après, Mounsao, c'est. Il a souffert même genre avec tout le monde que la crise a affecté. Parce qu'il n'y a pas de jeunes groupes qui viennent pour acheter ensemble, pour acheter dans le monde. La crise haïtienne dans le Nouvelle a un pile impact sur plusieurs secteurs dans la vie nationale. Dans l'autre reportage, Navawe, qui impact que le gagne sur la santé, côté que grand pile l'hôpital qui a dit qu'il n'y a pas de gaz pour être capable de continuer à fonctionner, côté qu'il n'y a pas de population soins que y a besoin. Donc, nous retournons sur la question dans l'autre reportage. Jacqueline Bélizère, La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.